Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc là, je viens de conclure l'ancien vlog. J'arrête pas d'enchaîner les vlogs là pour que vous ayez des vidéos parce que sinon vous allez vous retrouver sans vidéo. Donc je voulais vous montrer mon bouquet de fleurs qui était vraiment trop beau. Il a vraiment... Ah, vous allez voir. Donc voilà à quoi il ressemble. Les fleurs de lys se sont ouvertes et elles sont tellement belles. Regardez-moi comment c'est beau. J'adore. Donc je suis vraiment trop contente de ce bouquet. C'est tellement pur, c'est tellement royal, c'est tellement beau. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et l'odeur, franchement, l'odeur, ça sent tellement bon dans ma pièce. Et il y a encore plein de fleurs de lys qui vont éclore bientôt. Donc je suis trop contente. Vraiment trop contente de ce bouquet. Voilà mes petites plantes. Je les ai arrosées, etc. Donc ça, je les avais achetées dans mon... à Leroy Merlin, je vous mettrai le haut dans le petit i. Voilà, j'adore ce pot. Franchement, j'hésitais à m'en racheter un autre comme ça. Et ma petite plante, elle se porte très bien. Faut que je trouve un petit cache-pot pour ça. Parce que c'est un peu ridicule. Donc voilà, et il pleut comme vache qui pisse dehors, donc c'est génial, je dois aller chercher mon copain au boulot là. Et je vais bientôt vous faire la vidéo avec lui pour la FAQ. D'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai dans la vidéo FAQ. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises? Tu fais quoi comme bêtises? Oui, tu fais quoi comme bêtise, mon amour? C'est quoi ces fesses là? Ouh là 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 là. Donc là en fait je suis encore en période d'examen, encore un peu malade là, j'essaie de plus avoir cette voix de canard à la vidéo parce que quand j'ai vu les montages avec ma voix je me suis dit oh my god, essaye de faire un effort Elisa parce que ta voix c'est une atrocité. Donc là j'ai partiel aujourd'hui, c'est vachement dur là, en ce moment parce que c'est... J'ai vraiment pas de temps pour réviser là ce week-end, je vais travailler tout le temps. Et lundi, mardi, mercredi, donc là vous voyez ce vlog on sera mercredi. Mais en gros là les deux jours d'avant, j'ai un partiel par jour, c'est à 8h30, je vais être KO. Bref, vive les partiels à la Sorbonne. Là je pense que ça va être ce vlog, ça va être en deux jours. J'ai plein de produits qui vont arriver demain ou après-demain. Des produits mais genre que je veux trop vous montrer. Parce que je pense qu'il y en a qui voient le coup. Et en plus c'est bientôt la fête des mères. Donc je vais avoir plein d'idées cadeaux pour la fête des mères. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Nous sommes encore le lendemain. J'ai reçu une montagne de colis. J'ai galéré pour les transporter. J'ai commandé pas mal de choses. Et je pense que je vais recevoir aussi pas mal de choses. Je vais vous montrer ça. Il me reste 12% sur de batterie sur ma caméra. Je vais aller vite. Alors l'angle de la caméra est juste immonde. Mon dieu, mais je ne vous respecte vraiment plus hein. Vous avez le bordel derrière moi et mes yeux tout rouges. Je suis désolée, je suis malade, hein. Enfin, je pense que vous l'entendez à ma voix. Alors, j'ai reçu pas mal de petits produits. Déjà, j'ai reçu la part de Clarins, la lotion énergisante éclat du jour. Vous avez montré dans mon unboxing, je vous mettrai dans le petit, la crème que j'avais reçue et qui sentait vraiment super bon. J'avais reçu celle-ci et depuis, bah, j'arrête pas de l'utiliser. Elle est vachement bien. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrête pas de l'utiliser. En fait, dans cette même gamme-là, ils avaient fait la lotion énergisante, donc je me suis dit bah écoutez, faut trop que je me la prenne. Ils avaient même fait aussi un gel nettoyant, mais j'aime bien moi les lotions, je préfère ça. Donc en fait ça c'est une lotion aux extraits de groseille, café vert et thé blanc. J'avais trop envie de tester cette gamme là parce qu'elle a l'air vachement bien. La crème elle est super bien, elle sent super bon. Donc ça j'espère que ça va faire le même effet. Enfin ça va, je vais sentir l'odeur. Ça sent super bon, ça sent le propre, ça sent la pêche. J'ai l'impression genre c'est un peu chelou mais ça sent super bon. Donc bah moi je leur ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer, ils ont accepté. Donc j'étais vraiment trop contente. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Donc le café vert ça aide à énergiser la peau et à préserver le tonus naturel. Trait de groseille, ça affine et resserre le grain de peau, hydrate et ça adoucit, la peau paraît plus lisse, etc. Et l'extrait de thé blanc c'est pour réveiller l'éclat de la peau. Ça protège la peau de tout ce qui est lié au stress et à la pollution. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce petit lotion. En tout cas la crème elle est géniale, donc voilà. Merci beaucoup de me l'avoir offert. Ensuite de la part de chez Clinique, j'ai reçu des produits que je trouve que c'est vachement innovant. Donc c'est deux produits que vous pouvez combiner en un. En fait ça permet de vous créer une crème hydratante selon votre type de peau. Donc moi j'ai pris le gel anti-brillance avec une cartouche hydratante. Alors attendez, je vais essayer de me remémorer ce qu'il y avait dedans. Alors en fait vous avez la base, vous choisissez votre base, soit c'est une base gelée hydratante, donc par exemple c'est celle-ci, celle que pour moi ça ne fonctionne pas sur ma peau, enfin je vois pas de résultat de ouf avec celle-ci, c'est pour ça que j'ai pas choisi celle-ci. Vous avez aussi l'émulsion hydratante, moi j'ai pris le gel anti-brillance
celui-ci. Donc en fait l'émulsion aussi hydratante ressemble un peu comme ça, hein. C'est pas transparent, c'est jaune comme ça. Donc en fait c'est cette base que après vous mélangez avec votre concentré. Donc moi j'ai pris le concentré anti-bouton en gros. Je vais regarder sur leur site les différentes cartouches qu'ils proposaient. Ah mais donc ils font la cartouche orange pour la fatigue. Ça énergise et illumine grâce à la taurine. La cartouche violette pour les rides et les ridules, pour lisser le grain de peau, etc. La cartouche blanche pour les teints irréguliers, ça réduit l'apparence des taches grâce à la racine d'angélique du Japon. La cartouche bleue, donc moi c'est pour le grain de peau irrégulier, ça affine les pores grâce aux acides alpha hydroxylé. Et la cartouche verte, ça c'est pour les irritations, ça calme et réconforte votre grain de peau. Donc moi j'ai pris pour les pores et pour la brillance. Donc les deux combinés, ça doit faire un super bon combo. Donc j'ai envie de tester maintenant, genre de le mettre. Alors comment... Donc voilà, après vous avez votre produit. Donc bah écoutez, j'ai envie de tester maintenant. Ah voilà. Donc après ça vous fait votre petite texture en mélangeant en fait ces deux produits. Ça, il n'y a pas d'odeur. Moi j'aime bien quand il y a une petite odeur quand même. Franchement ça sent pas. Après bon, à voir ce que ça donne. Je vais le tester aussi. Mais en tout cas l'innovation, enfin, je trouve que c'est vachement intelligent. Enfin c'est pas con. Donc je pense que c'est les seuls à le faire sur le marché. Cet aspect de combinaison, tu choisis ta base et ton sérum en même temps. Et je trouve ça vraiment intelligent de leur part. Vous avez moins 20% avec mon code promo. Je vous l'afficherai juste là. De toute façon il y a tous les codes promo en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Bah écoutez, je suis très surprise. Enfin, j'aime beaucoup le concept, donc vraiment, ils ont fait chaque problème de peau, ils ont fait un sérum et je trouve ça bien. Donc voilà, merci beaucoup de me l'avoir envoyé, je vais le tester et je vous en reparlerai dans les vlogs. Ensuite, j'ai reçu de la part de Smile Carbon le dentifrice qui va avec le petit blanchiment dentaire que j'avais reçu. J'ai toujours pas utilisé, faut que je teste, mais j'avais envie d'utiliser en même temps le dentifrice parce que peut-être c'est pas un truc inconvénient, genre tu fais ça tous les matins et tous les soirs, donc tu vois, c'est une habitude. Alors que faire le blanchiment dentaire avec le machin, c'est pas naturel, donc il faut le faire. C'est vraiment le bordel derrière moi, hein. Ne faites vraiment pas attention, je suis en plein rangement. Ils m'ont envoyé ça, donc ça élimine les taches, combat la mauvaise haleine, sans fluor, donc c'est à la menthe poivrée, le goût c'est ça. Les enfants de 6 ans ou moins peuvent l'utiliser. D'accord. Écoutez, machin, donc normalement ça doit blanchir les dents seulement avec le dentifrice. Ensuite j'ai reçu un coffret spécial pour la fête des mères. Alors j'ai trouvé ça vraiment très 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 joli, je vais vous le montrer comment il est beau. Donc en fait il se présente comme ça, j'ai déjà ouvert, je trouvais trop beau. Donc c'est un parfum de la marque Givenchy. En gros il est super beau le coffret avec des petites sangles, je trouve ça trop trop beau. Et donc à l'intérieur vous avez un parfum et un rouge à lèvres. Donc ça c'est vraiment un super beau coffret à offrir pour la fête des mères, enfin... Je trouve ça très très beau. Et moi c'est pas pour moi bien sûr, que je suis allergique au parfum, donc ça va pas être pour moi. Donc j'ai reçu dedans un petit rouge à lèvres rose. Alors là il est très 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 rose. Genre c'est... Ah non. Je pensais plus pigmenté, tu vois. Mais c'est un rose léger qui fait un peu gloss même. Il est beau mais je pensais un peu plus pigmenté. C'est pas grave. Et donc j'ai reçu aussi le sublime parfum. Il est trop trop beau. C'est dommage que je sois allergique au parfum parce que les parfums sont trop trop beaux. Et je suis sûre que ma belle-mère elle va trop kiffer. Je sais pas si vous verrez la caméra, mais en fait grâce à un peu cet aspect picot, on dirait qu'il y a différents types de roses. Je sais pas si vous verrez, si vous comprendrez. Genre là on dirait du rose clair, là c'est un peu moins clair, là c'est foncé, vous voyez. Et tout ça, c'est grâce à la lumière et à ces petits picots, à ces petits packagings. Genre, c'est trop bien fait. Vraiment, c'est super bien fait. Bah, merci beaucoup à Givenchy de me l'avoir offert. Ça fera une heureuse. Ensuite, j'ai reçu une bougie de la marque Sior. Alors, Sior, c'est une marque que j'aime énormément. J'avais déjà reçu une de leurs bougies framboise caramel. Et elle sentait divinement bon. J'ai donné à ma soeur parce qu'elle l'a trop kiffé. Et j'ai reçu une autre de leurs bougies. Donc, c'est cocktail d'agrumes. Alors celle-ci je ne suis pas fan du tout. Je voulais tester pour voir vraiment si j'allais aimer le côté agrume, etc. Alors pour ceux qui aiment le côté agrume, alors ça vous allez kiffer de fou. Ça sent vraiment les agrumes, on sent vraiment 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 vraiment. Mais moi je n'aime pas du tout ça. Donc ça je vais l'offrir à quelqu'un qui va l'aimer. Je n'ai pas vraiment accroché à cette odeur là. C'est trop acidulé pour moi. Donc pour ceux qui aiment le côté un peu acidulé, elle sera vraiment parfaite pour vous cette bougie, mais moi c'est pas du tout pour moi en fait. J'ai voulu tester
Et maintenant, moi, je saurais que c'est pas fait pour moi. La bougie est toujours aussi belle, hein, vous voyez, ce petit packaging est vraiment trop trop beau. Vous avez une cire naturelle avec une petite mèche en coton. Donc tout ça, ça a été fait en Alsace, hein, donc c'est vraiment made in. Donc ça a été fabriqué, décoré et emballé à la main. Tout ça en Alsace. Le parfum de la bougie, ça a été fait par un parfumeur de Grasse, donc toujours made in France. Donc c'est 100% made in France, 100% naturel, 100% vegan. Donc voilà, moi franchement cette marque là je l'aime beaucoup. Malgré là cette bougie, je peux pas, c'est pas une bougie pour moi. J'ai mis mon Pachira pour pas que vous voyez la catastrophe derrière moi. J'aurais dû le faire depuis le début. J'ai reçu de la part de ma jolie Candle. Comme vous savez, je suis ambassadrice de la marque pendant 5 mois. Et là, c'est le deuxième mois. Ça va passer trop vite, je le sens. Bon, ils m'ont demandé ce que je voulais comme bougie sur leur site. Parmi toutes les propositions qu'ils me donnaient, pour quasiment tout le site, quoi. Il m'a dit, tu vas chercher en mode... Oh pff, mais... Tu sais, je me souviens, genre, il y a 3 ans, quand j'ai acheté ma première bougie, ma jolie Candle, j'étais devant les vitrines et je disais, oh, j'aimerais trop avoir celle-là, 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 celle-là. Oh, et je me disais, un jour, Elisa, tu les auras toutes. Et ce jour est arrivé et je suis contente! En fait, vous n'imaginez même pas à quel point on me dit, ouais, tu prends ce que tu veux, on te l'envoie. Genre, je suis en mode, mais... Donc bref, j'aurais dit que j'aimais bien les bougies existelles, j'avais jamais testé les bougies sans bijoux. Et j'aime mes parfums préférés, c'est Monoï, linge frais et fleurs de coton comme vous le savez. Et ils m'ont envoyé le Monoï, donc je suis trop contente. Donc le packaging est juste sublime, il est très luxueux. On dirait vraiment une bougie qui coûte 200 balles alors que pas du tout. J'adore le couvercle en or, vous voyez mon petit bouquet dans le... Dans le retour, c'est trop mignon. Vous voyez la petite rose là. Bref, elle est trop trop belle. Et l'odeur. Mais l'odeur. C'est exactement pareil que lorsque tu te mets du Monoï sur le corps pour cramer au soleil. C'est exactement pareil. Donc cette bougie va durer pendant 120 heures. Donc c'est quand même beaucoup parce que moi, les petites bougies que j'ai là, je les ai depuis des mois et des mois. Je les allume tous les jours et pourtant elles durent bien. Donc alors 120 heures. Je vais l'avoir pendant 6 ans celle-là. Donc c'est de la cire 100% naturelle. Moi des fois ce que je me fais, mais c'est plus avec les autres que j'arrive à faire. La cire est un peu plus fondue. Je l'en prends un petit peu comme ça. Je fais comme ça. Et après j'en mets sur les parties où j'ai des sécheresses. Et ça m'hydrate de fou les mains. Astuce pour celles et ceux qui ont les mains un peu sèches, qui ont des petites zones etc. Moi je prends la cire. Donc c'est de la cire naturelle. En plus ils sentent super bon. J'en mets ça sur mes mains. C'est... Bref. Ma petite astuce du jour. Mèche en coton, donc c'est imaginé et élaboré à Grasse. Et donc c'est composé de soja, de beurre de mangue et de coco. Donc voilà, ça je ne savais pas. Donc vous avez pas mal de bougies hein, pour la fête des mères. Je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. Vous pouvez prendre une bougie. Ils ont sorti une édition limitée. J'essaie de la trouver sur leur site. Voilà. Ah oui, déjà ils ont sorti des boules de bain. Donc c'est des boules de bain. Comment ils ont appelé ça? Ah, attendez, non, revenez. Revenez, voilà, je chope. Ils ont sorti des boules de bain, c'est Pretty Mom's Day. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal le petit jeu de mots. Vous avez donc les boules de bain normales à droite. Et là, ils ont fait les boules de bain spéciales édition limitée. Donc ça, je l'ai vu se passer sur Instagram, Et je me suis dit, oh my god, il me les faut tout de suite, je vais me les acheter. Donc vous avez Tutti Kiwi, j'aimerais trop le tester celui-là. Purple Mango, et après vous avez le blanc, je sais pas lequel c'est le blanc. Le blanc, je crois que c'est un basique normalement, non? La finesse, ah non, je ne crois pas. Donc ils ont fait vraiment toute une gamme spéciale fête des mères à 29,99€. Je trouve ça va, c'est pas vraiment cher. Ils ont fait aussi une bougie en édition limitée. Celle-là, il faut que je me la prenne aussi de ce pas. Parce que les éditions limitées, ça va très très vite. Ce packaging est violet. Oh, j'aime trop. Donc ça, c'est à la figue. Et comme ils le disent, ce parfum vous emmène avec fraîcheur au pied d'un figuier gorgé de soleil. Ça, ma mère, elle aurait trop kiffé. Parce qu'elle adore les figues. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le packaging est vraiment très très beau. Le bijou, je l'aime un peu moins. Parce que je trouve ça un peu kitsch. Mais le packaging autour, et je suis sûre que ça sent divinement bon. Vous pouvez toujours tester les bougies à Paris si vous habitez à Paris. Et je crois qu'ils vont ouvrir des pop-up stores aussi dans le sud de la France. À Châtelet, ils ont une boutique aussi. Et moi, je vais souvent là-bas pour sentir les bougies, enfin les nouvelles éditions limitées. On va trop tester celle-là. Donc celle-là, elle coûte 39,90€.
Donc voilà, il n'y a que des bons avis là-dessus. Faites des cadeaux de fête des mères, vous leur préparez un petit bain avec des bombes de bain, ma jolie candle, vous leur allumez une petite bougie, ma jolie candle, et je pense qu'elles vont être top, parce que vu le nombre de conneries qu'on a fait pendant l'enfance, surtout moi, la plus grosse des conneries que j'ai dû faire, c'était... En fait, moi, je faisais beaucoup les magasins avec ma mère. Je crois que ma mère, elle le sait pas que je faisais ces conneries-là. Enfin, en tout cas, je me faisais beaucoup engueuler par les vendeuses. Parce qu'en fait, je me cachais dans les rayons de magasins où il y avait tous les fringues, etc. Je me cachais derrière les fringues, les manteaux, etc. Dès qu'il y avait quelqu'un qui prenait le manteau, je faisais bouh! Et genre, à chaque fois, la meuf, elle était en panique et tout, tu vois. Et moi, j'adorais faire ça, leur faire peur. Et je me faisais engueuler par la directrice du magasin à chaque fois. Et ma mère, je crois qu'elle ne le savait pas. Parce que je crois que la directrice n'osait pas le dire à ma mère parce que c'était une bonne acheteuse. Donc, voilà, ça. À l'école, je faisais beaucoup de conneries, mais c'était jamais moi qui prenais. Parce que j'étais tellement une bonne élève qu'on me croyait jamais. Genre, on me disait, ah, c'est Elisa qui a fait ça. Ah bon, Elisa, c'est une très bonne élève. Je ne pense pas qu'elle puisse faire ça. Et ben si, c'est moi qui commençais toutes les batailles de bouffe à l'école. C'est moi qui bavardais le plus. C'est moi qui envoyais les boulettes de papier. C'est moi qui arrivais à mettre le plus de cartouches d'encre au plafond. Et oui. Et je faisais même des petits dessins. Genre, je mettais des papiers, genre, sur les cartouches d'encre. Je faisais une petite guirlande sur la cartouche d'encre. Et c'était très très beau. Donc voilà pour cette petite bougie que je vais dès à présent tester parce que ça sent trop trop bon. Merci beaucoup, ma jolie candle. Hein. Vraiment, cette collaboration, je l'aime depuis. Je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup travailler avec cette marque-là. Voilà, merci beaucoup. Et enfin, pour les derniers produits que j'ai reçus, c'est un coffret de la marque Masque Therapy au coco. Donc le coffret a un peu souffert durant le voyage, mais bon, on s'en fout. Donc il y a marqué craquer sans modération. Ah, ils m'ont mis un petit mot. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup quand ils me mettent des petits mots personnalisés et qu'ils écrivent notre prénom à la main. Ça, c'est vachement important parce qu'on se dit, tiens, on n'est pas une parmi tant d'autres. Et c'est écrit à la main. Waouh. Ah oui. Oh, ils ont vraiment pris le temps d'écrire à la main. Ça, j'aime beaucoup. Chère Elisa, toute l'équipe de Masque Thérapie est très heureuse de te faire découvrir en avant-première son coffret Choco Crush. À l'intérieur de ce coffret, tes sens seront exaltés par la divine odeur chocolatée de notre masque absolu chocolat. Accompagné de son indispensable accessoire pour une meilleure application. Prête pour une peau hydratée, nourrie et apaisée en profondeur. Alors mets-toi vite en mode pause. Nous te souhaitons une agréable mise en beauté très gourmande. L'équipe Masque Thérapie. PS, nous t'avons glissé une petite douceur. Je me sens starlette là. Non, franchement, j'aime beaucoup les mots comme ça. Genre, c'est très mignon. C'est très gentil. Donc là, ils me mettent le petit mode d'emploi. Ah, je les adore. Non, c'est pas du chocolat quand même. Ah, non, c'est pas mal. Ah, ils sont pas mal. Oh là 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 là, ils ont mis une tablette de chocolat. Non, mais vous voulez me faire grossir ou quoi? Oh, il est bon. Oh, il est super bon en plus. Si le chocolat est bon, le masque devrait l'être aussi, je suppose. Donc ils m'ont envoyé ce petit masque. Donc c'est un concentré au cacao bio. Donc c'est 100% tout ce que vous voulez. Vegan, naturel, bio. C'est une marque 100% clean. C'est 35% d'ingrédients bio. Moi c'est la première fois que je vois des ingrédients bio dans des masques. Hein. Première fois. Et ça a été fait aussi en France. Alors... Oh, ça sent trop bon. Regardez-moi la texture. On dirait vraiment du chocolat. Ça sent super bon. Alors, attendez. Ah, ils m'ont mis une petite spatule aussi. Ça, c'est pas mal. Bah, j'ai envie de l'essayer maintenant. Comme ça sera fait. Je suis pas maquillée. J'ai mon miroir, etc. Je vais tester ça avec vous. Je vais me mouiller la peau et me mettre une lotion, etc. Et je vais essayer ça avec vous. J'arrive tout de suite. Bon, je vous mets là. J'espère que vous entendez pas les gosses parce que c'est extrêmement chiant. Donc, le cacao est bio. Le karité est bio. Et ben, écoutez, on va tester ça dès à présent. Je vais vous la montrer, la texture. Elle est extrêmement fondante, crémeuse, genre on dirait du chocolat fondu. J'ai vraiment l'impression de me mettre du chocolat sur... Mais c'est ça en fait, je me mets du chocolat sur le visage. Alors c'est pas trop 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 facile à appliquer, mais franchement ça passe. Je pensais que ça allait être plus dur à appliquer pour un masque au chocolat et au karité. Je pensais que ça allait être un peu plus dur, mais il sent super bon. Vraiment, vraiment il est ouf, l'odeur est vraiment ouf. Non, vraiment, la texture, regardez-moi ça, comment elle est belle. Oh, c'est super beau. Par contre, voilà, faut en mettre quand même une couche assez épaisse. Mais ça vide vachement le pot, en fait. Je pense que ce pot-là, ils disent que ça a utilisé une fois par semaine. Je pense qu'il doit durer deux mois grand maximum. Mais je pourrais le manger, le masque. Genre, ils sont vraiment trop bons. Ouais, la spatule, elle est bien. Sauf que je préfère ce que j'ai moi de base pour appliquer mon masque. Parce que
si t'as le mauvais angle, genre ça t'enlève du masque, donc c'est un peu chiant. Donc c'est censé hydrater, booster l'éclat, illuminer le teint, et c'est juste trop bien à appliquer. Genre c'est agréable à appliquer, c'est pas chiant. Après, à voir quand je vais l'enlever. Si vous offrez ça à votre mère, je pense qu'elle va être vachement contente. Genre petite bougie, petit bain, ensuite petit masque. J'espère que je vais pas être allergique, genre comme le masque au... à la cannelle d'Enjoy Phoenix. En tout cas, le masque est vraiment beau. Il est très brillant et il est très très beau à appliquer. Enfin, agréable à appliquer. Par contre, voilà, la spatule, elle a un peu galère pour appliquer pour le nez, mais sinon, le reste, ça va. Donc là, je sais pas si vous voyez, là, on est 25 minutes plus tard. J'ai laissé quand même plus longtemps que prévu. Ils disent de laisser poser 5 minutes, mais je trouvais que c'était pas encore assez sec. Et là, regardez, ça se fissure. On dirait que je suis un reptilien. Donc voilà, c'est tout sec. Je vais nettoyer tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce masque. Enfin, il était très agréable à porter. Je vais enlever tout ça, je vais vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Bon, je suis toujours rouge après un masque, mais franchement, je trouve qu'il est juste génial. La peau, elle est extrêmement douce, purifiée. C'est pas genre purifiée comme... comme quand t'as mis un masque avec de l'argile, ça n'a rien à voir, c'est purifié. On dirait que ça t'a absorbé tout ce qu'il faut absorber, ça t'a laissé tout ce qu'il faut laisser. Déjà, le chocolat, il a fait un effet à ma peau, genre c'est oufissime, vraiment oufissime. C'est juste un masque, mais pourtant, il est ouf, vraiment il est ouf. Et le karité va complètement apaiser, laisser un petit fini gras à la peau. Et la peau, elle est très, très, très douce, elle est lissée, j'ai l'impression, on dirait que ma peau, elle est liftée. Et elle est juste genre hyper douce. Alors là je suis un peu rouge, c'est normal. Après chaque masque je suis rouge parce que c'est avec quand on enlève avec le gant de toilette etc, ça devient rouge. Et d'ailleurs pour l'enlever le masque, il est très facile à enlever. Je pensais que j'allais galérer à frotter et tout etc, mais ça part très très bien. Vraiment ça part super bien, donc je suis assez étonnée de ça. Je vous conseille de le tester. Normalement au moment où je poste cette vidéo, il sera le site sera en ligne, parce que c'est une nouvelle marque. Ils n'ont pas fait de site internet et là je crois qu'ils vont l'avoir. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si c'est pas le cas, je vous le mettrai d'ici quelques jours. Dès que je vous l'annoncerai sur Instagram, le lien. Il a seulement 20 euros. Parce que pour les masques qu'on voit là chez Sephora qui coûtent 80 balles et qui font rien du tout, là, celui-là, il est bio, il est naturel, il est à 20 euros. Que demande le peuple? Vraiment, que demande le peuple? Il sent super bon. Et en plus, c'est vraiment une bonne marque, genre... Enfin, tu sais, c'est débile, mais quand une marque t'envoie des trucs, elle fait copier-coller à tout le monde, genre comme ça, qui n'a aucune personnalité, etc., c'est bon, on a l'habitude, voilà, bon, voilà. Mais quand c'est une marque qui t'écrit ton prénom sur une enveloppe et qui t'écrit à la main, bon, ok, ils écrivent le même mot à tout le monde, mais qui t'écrivent quand même à la main, la personne a pris du temps à écrire, etc., et ça prend du temps à écrire ce genre de choses, croyez-moi, quand on vous devait envoyer plusieurs enveloppes à tout le monde, etc., c'est très très long à faire. Donc franchement, cette marque, on vit une vraie expérience avec eux, et moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. En plus, ils ont fait une petite attention de chocolat. Ouais, j'ai rien à dire sur cette marque là. Très agréablement surprise, vraiment super bien. Donc bah merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Je voulais faire un petit crash test comme ça, hop c'est fait. Et je voulais vous montrer voilà mes premières impressions. Et vous pouvez voir que ma peau est vraiment très jolie. Genre elle est très lumineuse. Voilà, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, tous les codes promo que je trouve etc. Je vous les mettrai tous en barre d'infos. Mais voilà, en tout cas je suis contente de vous avoir montré les produits, différents produits. Donc n'hésitez pas à, pour la fête des mères etc. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau. En plus... Ça marche bien avec une petite bougie ou n'importe quoi. Alors j'ai pas de code promo ma jolie candle, vous m'avez demandé mais j'en ai pas du tout. Téléchargez l'extension Wanted. Genre sur Wanted vous avez tous les codes promo qui sont possibles, imaginables. Et à ça pour ma jolie candle il y en a 59 de codes promo. Vous appliquez le Wanted et après ça vous fait tous les codes promo possibles, imaginables. Et ça vous sélectionne le meilleur. Donc prenez ça parce que j'en ai pas. Sinon j'ai mon lien de parrainage qui vous offre 5 euros de remise. Donc c'est toujours mieux que 10% parce que généralement ce qu'ils font c'est 10% de remise sur une bougie à 30 euros, ça fait 3 euros. Si vous prenez mon lien de parrainage c'est 5 euros. Ça fait 5 euros pour moi aussi, je crois. Un lien de parrainage quoi. Et donc n'hésitez pas à aller checker. Donc là j'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de voir et je me suis dit mais Elisa mais fais-leur un concours. Parce qu'en fait avec tous les liens de parrainage, enfin avec tous les nouveaux fioles que j'ai, bah j'ai des bons, des remises de 5 euros. Sauf que je ne les utilise pas du tout. Donc je préfère vous en faire bénéficier. Donc je vais vous faire un petit concours ma jolie candle, donc à l'occasion de la fête des mères. Je vais vous faire gagner à 5 d'entre vous un bon d'achat de 5 euros sur tout le site de ma jolie candle. Donc ce concours va
durer une semaine seulement. Les codes promo, parce que les remises de 5 euros, je ne sais pas combien de temps ça dure, donc je préfère les faire rapidement au moment où vous avez la remise. Pour participer, c'est tout simple, toujours les mêmes conditions, être abonné à ma chaîne. Je vérifierai que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Je vérifierai aussi que vous avez bien liké la vidéo. N'hésitez pas à vous mettre en compte ouvert. Il faut remplir le Google Form qui se situe en barre d'infos. C'est un lien en fait, tu cliques sur le lien. C'est un formulaire que tu dois remplir, tu l'envoies. Et comme ça, je reçois bien la notification comme quoi tu as bien participé. Et ça, c'est pas moi qui choisis les gagnants comme d'habitude, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc sur Instagram, je vous donnerai le chiffre entre 1 et le nombre de participants. Admettons, il y a 300 participations, ce sera 1 et 300. Et vous choisirez le chiffre entre 1 et 300. Donc ce n'est pas moi qui choisis, c'est vous les abonnés Instagram qui choisissez les gagnants du concours. Voilà, ne dites pas dans les commentaires qu'il y a un concours, c'est uniquement pour vous. Vous, toi, là, abonné qui a regardé la vidéo jusqu'à 20 minutes, je ne sais plus combien. Je compte sur vous, oui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Juste ici, c'est toujours pas fait, je vous mets dans cette vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.